Ça a commencé en 2007. L'ACCÉ a proposé une formation dans le département sur la question des discriminations dans l'éducation, parce que c'était un sujet peu traité, aussi bien dans l'Isère d'ailleurs qu'en France. Les partenaires institutionnels étaient intéressés. Il y a eu cette formation. Ça a donné deux choses. Un réseau départemental qui a vécu un certain temps sur cette question, et puis un groupe de travail au niveau de l'agglomération. Et de là est née l'idée d'un plan grâce à l'ACCÉ et à la DRJSCS, et en particulier à Christine Piguilhem, qu'on tient beaucoup à remercier, car elle nous a vraiment accompagnés dès le départ. La collaboration entre les deux institutions, l'éducation nationale et puis la métro, ça s'est construit un peu curieusement. Ça s'est fait au cours de la première formation départementale, où avec la formation était construite de telle façon que c'était 3 jours de formation et 3 jours d'accompagnement de projet. Et dans les 3 jours d'accompagnement de projet, avec la collègue de la métro, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous ? Les raisons de cet engagement sont doubles. D'abord parce que la première expérience que nous avions pu conduire avec une formation de nos cadres montrait l'intérêt des personnels sur cette thématique. Donc, je savais que ça valait la peine de travailler là-dessus et que les personnels étaient prêts à s'engager là-dessus. La deuxième raison, c'est que l'engagement avec des partenaires permettait de bénéficier d'un accompagnement, d'un regard extérieur qu'on ne pouvait pas garantir, que je n'aurais pas pu garantir dans le cadre de nos formations internes. Alors la métro, pourquoi nous sommes-nous engagés dans cette démarche avec l'éducation nationale ? Je reconnais volontiers que l'éducation nationale est devenue le moteur dans notre opération, parce qu'à un moment donné, les territoires concernés et donc les enfants et les familles font partie de territoires qui sont dits prioritaires de la politique de la ville. Et nous essayons effectivement de concentrer nos efforts sur ces territoires, mais ça nous demande certainement un peu plus de temps. Et vous le savez, la mobilisation de la métro et des communes, ça suppose aussi des débats politiques. Et la construction d'une culture commune au niveau de la métro pour aborder les questions de lutte contre les discriminations, eh bien, ça nous a demandé du temps. Ce plan avait deux principes. D'abord, que ce soit une recherche-action, parce qu'on s'est rendu compte, et plus ça avançait, plus on s'en rendait compte, que sur l'éducation, sur les discriminations dans l'éducation, on sait quand même assez peu de choses. Il y a beaucoup de controverses. Ces recherches-actions, elles sont une partie d'un maillage beaucoup plus large, des interventions, des institutions et des partenariats qui se sont construits sur le territoire, et que ce choix qui s'est fait à partir d'une formation en 2008 interacteurs et interassociations s'est vraiment fait sur l'entrée de la discrimination, pas de la diversité, pas de l'insertion, c'est vraiment le terme qui a été retenu, mis en avant et qui apparaît très clairement et dans les plans et dans la journée d'aujourd'hui. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, et après le challenge, ça a été de notre part à nous techniciens d'aller convaincre notre hiérarchie respective de partir dans ce projet-là. Et peut-être ce qui a facilité les choses, c'est que nous étions déjà partenaires, on va dire, sur la réussite éducative, justement. Parallèlement au cheminement interne à la métro pour aller vers la délibération sur le plan, on a mis en place, avec le soutien de l'ACCÉ, une formation de formateurs, et que très vite, les chefs d'établissement qui étaient dans cette formation-là et les inspecteurs de l'éducation nationale qui étaient dans cette formation-là, ils ont fait des retours très très positifs à l'inspectrice d'académie, qui s'appelait comme ça à l'époque. Du coup, ces retours positifs de cadre de l'éducation nationale ont vraiment favorisé la prise de décision favorable de l'inspectrice d'académie pour travailler en partenariat avec la métro et entamer un travail sur ce champ-là. Et puis alors, le travail qui était fait déjà au niveau du réseau des communes, parce qu'il y avait déjà un travail en amont qui avait été fait, il y avait des communes volontaires, elles sont venues effectivement en disant, ben, nous on part, et c'est l'éducation nationale qui
elle, a su mobiliser plus forte que nous ces réseaux au niveau des collèges et des lycées. Je crois qu'il faut aussi le reconnaître. Moi, je trouve que ce qui a été intéressant, justement, c'est de créer cet espace d'expression donc, qui n'existait pas. Donc, les enseignants sont arrivés à le faire en interne, donc entre eux, et puis ensuite en direction de leur classe. Donc après, ben, les enfants, ils sont allés aussi s'aimer ces petites graines dans la famille. Moi, c'est ma perception, puisque quand il y a eu cette journée, j'ai bien vu qu'il y avait quand même des familles et des enfants. Donc il y avait quand même une clé de... Ils avaient les clés de compréhension sur les critères de la LCD.